Est-ce qu'on peut dire ce soir que le Cameroun est au bord de l'élimination? Non. Nous sommes une très grande nation. On a un match important qui vient et on va tout donner. On va tout donner. On sait bien que ça va être difficile. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et on va assumer nos responsabilités. C'est quoi le problème du Cameroun au final? On a l'impression qu'il manque véritablement peut-être un créateur dans cette équipe. Il ne se passe pas grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut aussi reconnaître la capacité et la qualité de l'équipe adverse. On a joué contre le champion d'Afrique, ils nous ont mis en difficulté. Nous, on a bien défendu en première mi-temps sur un compte favorable, on a pris un but. Et en deuxième mi-temps, on a contrôlé le jeu. Je pense que sur l'ensemble des 45 deuxième minutes de la deuxième mi-temps, on a été meilleur. Donc je ne peux pas dire qu'il nous manque de créativité parce que les gamins, ils ont tout donné. Aujourd'hui, on doit reconnaître que l'adversaire aussi, il a fait son travail, ils ont été bons et on doit apprendre de nos erreurs et regarder les échéances à venir. Et pourtant, le coach a changé beaucoup de choses ce soir, mais on a vu le même visage que face à la Guinée. Comment vous l'expliquez? Comment ça, le même visage? Le manque de créativité, pas beaucoup d'occasions créées, à part en fin de match. On a senti une réaction, mais sinon, dans l'ensemble du match, c'était plutôt compliqué. On a eu des occasions, on a mis un but. On a raté l'égalisation du 2 partout. Après, si pour toi, le manque de créativité, c'est de créer 10 occasions, c'est pas possible tous les matchs. Vous savez, c'est aussi un moyen de reconnaître le niveau de la compétition. C'est élevé, tu joues contre des adversaires qui sont redoutables et ils te mettent en difficulté. C'est difficile de se procurer des occasions. Alors, hier, vous avez annoncé que vous alliez mettre un 11 avec chaque joueur à son poste. Effectivement, c'est ce que vous avez fait. Chaque joueur était à son poste. Est-ce que vous vous dites maintenant, vous l'avez demandé, je l'ai fait, vous vouliez voir chaque joueur à son poste, j'ai mis chaque joueur à son poste, maintenant tout ce qui arrive n'est plus de ma faute. C'est ce que vous vous dites maintenant? Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire l'analyse. Il faut... J'assume parce que j'ai dit, lorsqu'il y a une défaite comme celle d'aujourd'hui, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Chacun, mes joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils se sont battus. Et on a manqué ce qu'il fallait. On pouvait faire autrement. Mais maintenant, j'ai dit, il faut l'assumer. J'assume. Je ne mettrai pas la cause à qui que ce soit. Je prends les responsabilités parce que c'est moi qui est en avant. Mes joueurs ont fait ce qu'ils pouvaient. Maintenant, il faut reconnaître que Sénégal a été meilleur que nous. Ils ont concrétisé ce que nous n'avons pas pu faire. Donc c'est tout simplement ça. Oui, je suis fâché. Comment je ne peux pas être content? On part où avec ces gens de coach qui ne comprend pas les sentiments de 30 millions de Camerounais? N'est-ce pas? Nous, les Camerounais qui sommes ici aujourd'hui, on a pris le courage d'être ici. Parce que la plupart de nos compatriotes sont à la maison. Ils ne peuvent pas prendre ce genre de bêtises. C'est parce que nous, on aime ce pays. Et on voulait l'accompagner jusqu'au bout. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'on est là ce soir. Il met tous nos meilleurs joueurs au banc. Il est salopard. Qu'il rentre. N'est-ce pas? Le Sénégal a été... Est-ce qu'on peut dire ce soir que le Sénégal a été très fort plus que le Cameroun? Oui, mais il faut le reconnaître. Ils ont été forts. C'est une équipe qui est déjà bien rodée, qui est bien en place. Et je pense qu'on n'a pas su, à un moment donné, mes joueurs, c'est... Voilà, certains découvrent. Certains le découvrent. Il faut être réaliste. Hein. Il ne faudrait pas que nous restons dans l'imagination. Dès aujourd'hui, ils ont mérité parce qu'ils ont pu concrétiser des actions qui ne devaient pas être. Non, peut-être que nos joueurs aussi, il y a des débutants. Et tout ça aussi fait partie du football. Mais je pense qu'on prend conscience et qu'on accepte souvent aussi d'apprendre. Coach, vous avez un bilan de 8 défaites, ouais. 8 matchs nuls, ouais. Et seulement 5 victoires à la tête de l'équipe nationale du Cameroun après 2 ans passés à la tête de cette équipe-là. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous êtes vraiment à la hauteur de cette équipe-là? Merci. Je veux dire, si on parle des statistiques, vous pouvez l'analyser comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que, je l'ai dit, nous avons une jeune équipe. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ce n'est plus les années passées. Il faut reconnaître ça et savoir qu'aujourd'hui, nous rebâtissons une équipe
pour le futur, accorder encore quelques temps, peut-être que je partirai. Mais il faudrait que celui qui arrive, qui trouve déjà quelque chose et qui soit dans la continuité. Adoro Rassan, speak a little bit more. I'm Anit from Voice of America. Yeah. Do you still believe that your team has chances to go to the next round of this competition? Of course, je reste positif. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore le dernier match qui il y aura plus de calculs à faire. Je pense que nous restons dans cette compétition. Rien n'est encore perdu. Il y a encore espoir. Le dernier match va être pour nous une finale, puisqu'on n'a plus rien à perdre. Donc je pense encore et je sais que on va aller au deuxième tour. Coach, hier, je vous ai interpellé par rapport au fait que vous n'avez jamais aligné la même équipe deux fois. Est-ce que vous n'avez pas des regrets et vous n'avez pas cédé à la pression de la presse aujourd'hui en alignant une équipe que tout le monde demandait? Je ne cède pas. Je ne cède à rien. J'ai ma philosophie, je l'assume. Et c'est vrai, on se partage. On est dans un métier auquel j'ai dit on apprend et il faut écouter les autres aussi. C'est pas parce que j'ai convoqué 27 joueurs, je pense que tous sont venus, c'était pour jouer. Et en même temps, il fallait trouver le bon moment pour mettre chacun. Je vis le quotidien avec eux. Donc vous ne pourrez pas savoir, c'est pas parce que la presse a dit que j'ai pu faire. J'ai observé. J'ai mes collaborateurs avec lesquels on travaille nuit et jour. Et je pense que le temps était arrivé pour que nous puissions mettre les joueurs par rapport à ce qu'ils nous démontrent au quotidien. Donc, et aujourd'hui, si on restait dans la presse, il fallait gagner. Donc, non, je pense qu'il faut. C'est un métier difficile. C'est un métier difficile, mais. Il faut le reconnaître. Je dis encore, j'assume, parce que je suis à la tête de cette équipe. Mais ce que je sais, je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir. Je suis convaincu et rassuré que le troisième match va être pour nous une finale et qu'on passera pour le deuxième tour.